Nous voici au volant de la nouvelle Prius hybride rechargeable. Le temps de charge est de 3 heures sur la prise de secteur classique ou 2 heures via une prise spécifique. Alors Toyota a également bien travaillé sur la capacité de la batterie. Elle a tout simplement doublé. Elle passe de 4,4 kWh à 8,8 kWh, ce qui lui permet d'avoir une autonomie un peu plus importante. Toyota annonce 50 km. Hier, sur un parcours plutôt roulant, on a effectué jusqu'à 42 km. Nul doute que les 50 km en ville sont tout à fait possibles. Alors, outre l'autonomie, la Prius sera capable de rouler vraiment beaucoup plus vite en full électrique. Hier, on a testé sur l'autoroute, on a pu atteindre les 130 km/h, encore une fois en 100% électrique, sans aucun problème. Toyota annonce 135 km/h même. Alors, revers de la médaille, la capacité de la batterie a doublé. Donc le poids est vraiment en hausse de 120 kg. Le volume de la batterie, lui, est un peu plus conséquent. Elle est dans le coffre et elle vient vraiment impacter sur le volume de coffre. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment le plus de la Prius 4, son habitabilité. En revanche, à l'arrière, il y a toujours autant de place. Les plus grands sont vraiment à leur aise, notamment au niveau de la garde de toit et de la longueur aux jambes. Alors au volant, malgré les 120 kg, on a un moteur thermique qui ronronne un peu plus lorsqu'on le sollicite. Mais une fois stabilisé, elle évolue dans un silence assez remarquable et elle est tout à fait confortable. Alors outre les batteries, la nouvelle Prius rechargeable sera équipée d'un toit solaire de série pour notre marché. Un toit solaire qui permettra d'engranger 5 km par jour maximum. Donc c'est vrai qu'au cumul, si vous habitez une région ensoleillée, ça peut devenir vraiment intéressant. Alors sachez que pour la France, il n'existera qu'une seule finition de cette Prius rechargeable. Elle sera affichée à 36 900 euros. Sans compter le bonus écologique auquel cette Prius rechargeable a droit, c'est-à-dire 1 000 euros.